Allô? Allô? Toi, tu ne raccrocherais pas si brutalement. Non. Non, toi, tu m'aimes, avoue-le. Oui, oui. Alors, comme vous le voyez, un nouveau front orageux va bientôt se présenter. Et donc, demain, dans la matinée, nous serons encore arrosés. Elles deviennent vraiment inquiétantes, ces précipitations. En principe, à cette époque-ci, le temps est chaud et sec. À force de m'arracher les cheveux, il ne va plus m'en rester. Non, sérieusement, tout vient de ce dérèglement dans les marées de nos grands océans. On peut donc supposer que l'attraction de la Lune est actuellement déréglée. Toutes les villes situées au niveau des eaux risquent de se voir inondées à marée haute, et on craint de retrouver toutes sortes d'animaux marins morts quand la marée baissera. Allô? Catherine? Papa? C'est toi? C'est bien toi? Papa? Je t'en prie, vas-y, parle-moi! Bonjour, sergent. Bonjour, Major. Vous arrivez tôt? Oui, j'ai un tas de papiers à remplir. Major Cooper Blaine, DO5207696, se présente pour prendre son service. Le code du jour, s'il vous plaît? Alpha 920-80. Code du jour confirmé. Il fait très chaud ici. Il y a eu une coupure de la clim il y a une heure. On a demandé à un réparateur qui devrait arranger ça. J'espère bien. Allez, bonne journée. Merci, Major. Bien, sergent? Tout va bien, Major. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Cooper. Il est encore tôt. Je sais. C'est un vrai sauna ici. Oh, moi je viens de Floride, je ne crains pas la chaleur. T'as joué au poker hier soir? Oui, c'est vrai. Combien t'as laissé? Tu sais que je perds rarement au poker. C'est vrai. Échange de la clé à 5h05. Rien de particulier à signaler? Non, rien à signaler. Et c'est du café? C'est même du cappuccino, vous pouvez vous servir. Ça me réveillera. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, Cooper? Qu'est-ce qu'il y a? Cooper!
que ça tombe sur notre tour de garde, c'est pas possible. Bon, elle déclenche l'alarme. C'est peut-être pas grave. Code 5, il y a le feu dans la salle de contrôle. Je répète, code 5, il y a le feu dans la salle de contrôle. Prévenez-moi quand l'air sera respirable. On a déjà commencé, ça devrait être bon dans 5 minutes. Tout le monde est là. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, mais j'ai dû assommer l'un des deux officiers. Bien, on va s'occuper de lui. Enfermez le personnel du silo, il ne restera pas endormi très longtemps. C'est bon? Vous pouvez retirer vos masques. Nous avons à peine 43 heures pour lancer ces jolis missiles dans le ciel. Le silo, qui se trouve à 40 km au sud-sud-ouest de Colorado Springs, a été investi ce matin à 5h07 exactement. Les terroristes sont entrés se faisant passer pour des membres d'une brigade de secours appelée à intervenir après une fausse alarme. Ils avaient de toute évidence des complices à l'intérieur. Nous avons reçu la communication suivante. Je cite. Le commandement de cette installation sera temporairement assuré par le docteur Carl Sorensen. Le docteur Sorensen entrera en liaison aujourd'hui avec le secrétariat à la Défense. C'est tout. Et rien de plus. Croyez-vous qu'il réussirait à lancer un des missiles? Il y a des codes secrets pour lancer des missiles. Si les hommes sur place arrivent à les percer, la réponse est oui. Est-ce que le FBI a un dossier sur le docteur Sorensen? Oui, bien sûr, madame, on en a un. C'est un anthropologue et un astronome de formation. Il est diplômé de Harvard pour l'anthropologie et de Cambridge pour l'astrophysique. Il a travaillé sur les nébuleuses lointaines et sur les trous noirs. Il a participé en 86 à l'envoi de sondes vers Jupiter et Saturne et peu après, en 88, à l'observatoire de Spacecan, il s'est mis à faire des recherches sur les astéroïdes. Sorensen est veuf et son seul enfant, Catherine, est aussi une éminente astronome.
Il y a 4 ans, ils ont conjointement annoncé qu'un astéroïde appelé Clarion allait s'écraser sur la Terre. La catastrophe ne s'est pas produite. Catherine et son père ont tous les deux donné leur démission. Svensson a continué ses recherches sur les astéroïdes pour lui-même. Le département de la Défense a reçu ce livre expédié par lui, 6 mois plus tôt. Il y avait joint l'avertissement selon lequel un autre astéroïde allait percuter la Terre, mais étant donné ce qui s'était passé précédemment avec l'astéroïde Clarion, il n'en a pas été tenu compte. Monsieur Naspès ? Attendez. Est-ce que ce livre explique pourquoi Svensson a eu recours à la force ? Venez savoir. Ce livre contient beaucoup de calculs et des pages de reproductions de peintures faites par une tribu aborigène d'Australie sur les parois des cavernes. Après l'avoir étudié, la NASA a expédié le livre au FBI pour ses dossiers. Monsieur Menzer, est-ce que le FBI sait où se trouve sa fille ? Nous la recherchons. Fouillez le jardin. Il n'y a personne. Ouais, ici Dylan. Non, aucune trace. Tiens, j'écoute. Menzer veut nous voir au quartier général. D'urgence. Mais il va devoir attendre, j'ai encore plusieurs cartons à déballer. Ça fait déjà 2 mois et t'as pas encore tout déballé? J'ai tout mon temps. Très bien, je passe te prendre dans 10 minutes. Je t'attends en bas. La Terre est l'une des 9 planètes tournant autour d'une étoile, d'une taille d'ailleurs très moyenne. Notre Soleil est l'une des centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée, qui est l'une des milliers de milliards de galaxies de l'univers. Mais même si notre taille est vraiment insignifiante dans la grande échelle de l'univers, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à étudier. Oui, Philippe. Mademoiselle Svensson, d'après ce que dit mon père, quand vous dites qu'une étoile à neutrons, ça n'a rien à voir avec un trou noir, vous avez tort. Ah oui ? Je te cite l'étoile du signe X1. On a cru d'abord que c'était une étoile à neutrons, mais elle émet des rayons gamma. Seulement, le champ magnétique des étoiles à neutrons est tellement fort que les rayons gamma n'en sortent pas. C'est donc un trou noir. Alors tu vois, ce n'est pas la même chose. Tu diras ça à ton papa. Vous relirez le dernier chapitre. Et pensez à regarder la comète de Bernard. T'as entendu ce qu'il a dit ? On peut travailler ensemble si tu veux après. Vraiment n'importe quoi. Catherine Svensson ? Oui. FBI. Pardon ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Aïe ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut absolument que l'on puisse procéder au lancement aussi vite que possible. Vous pouvez donner une estimation ? Oui, une fois que j'aurai localisé les sentinelles, je pourrai prendre les commandes en 2 heures. J'attaquerai alors les codes d'accès. De mon côté, il y a un problème. Le transformateur principal a été réduit en miettes. C'est réparable ? Je vais essayer. Remettez cette console en état de fonctionner. Sinon, nous lancerons ces missiles dans l'espace à la force de nos poignets. J'espère que vous avez tous pris des vitamines, alors. Excusez-moi, si on n'arrive pas à armer les ogives avec la console, on devrait réussir à envoyer les missiles autrement. Comment ? Je pense pouvoir relier des câbles directement à la chambre des missiles. Oui, excellente idée. Raphaël, aidez-le. Très bien. Cooper. Et cet homme blessé, où en est-il ? Le major Garcia, il s'en remettra. Et de votre côté ? J'ai trahi mon serment et j'ai assommé un vieil ami de 15 ans. Tout va très bien. Aucun plan n'est parfait. C'est un miracle que vous ayez réussi à nous faire entrer sans plus de dégâts. Je vous en remercie. À votre avis, que fera le gouvernement ? En ce moment, il doit préparer une attaque contre nous. Bien comprendre pourquoi on m'a amené ici. Mademoiselle Svensson, vous reconnaissez ce document ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Non.
On dirait les résultats de recherche effectués par mon père. Est-ce que tout ça a un rapport avec lui? Est-ce que mon père est mêlé à tout ça? Si quelqu'un doit poser des questions, ici, c'est moi. Et vous y répondez. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas un peu surqualifiée pour occuper un poste de simple enseignante? Vous obtenez à Yale une maîtrise en astronomie, plus tard un doctorat en astrophysique. C'est pas rien, tout ça. Où voulez-vous en venir? En 1991, on vous nomme directrice des travaux pour un nouveau programme à Space Scan, ce qui vous apporte une grande notoriété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez étudié mon dossier, vous le savez très bien. Alors dites-moi pourquoi vous avez cet ouvrage de mon père et ce que ceci a à voir avec moi. Mademoiselle Sorensen, il y a 4 ans, vous travailliez avec votre père à Space Scan, à la recherche d'astéroïdes. Vous avez convoqué une conférence de presse en juin 1993, vous vous en souvenez? Oui. Et cette fameuse conférence vous a servi à annoncer qu'un gros astéroïde appelé Clarion allait s'écraser sur la Terre, le 4 septembre 1993, à 12h14. Il ne s'est rien passé, à la suite de quoi vous avez démissionné. Saviez-vous que votre père continuait ses recherches? Oui, bien sûr, je le savais. Vous vous parlez souvent, alors? Non, on ne s'est plus parlé depuis mon départ. Est-ce que je n'ai pas droit à un avocat? Êtes-vous mêlé à l'élaboration de ce document? Je vous l'ai dit, non. Votre père n'a pas cherché à connaître votre opinion? C'est la vérité, je le jure. Je n'ai pas échangé un seul mot avec mon père depuis 4 ans. Et j'en ai assez. Je veux un avocat. Votre père et un groupe de mercenaires sont installés à 70 mètres sous terre dans le Colorado, dans une base secrète, avec plusieurs missiles nucléaires prêts à être lancés. Et nous devons agir rapidement. Je suis touchée de votre confiance. Merci, monsieur le président. Allez-y, écoutons ça. Madame MacGregor, bonjour. Je suis Carl Sorensen. Je pense que vous en savez beaucoup sur moi maintenant. Je suis bien sûr un savant, et je le précise, seulement un savant. Je tiens à vous dire qu'il fallait un événement catastrophique comme celui qui devrait bientôt se produire pour que l'homme de paix que je suis soit poussé à prendre le contrôle d'une base militaire. À la date du 24 août, un astéroïde appelé Némésis s'écrasera sur la Terre. Je vous invite à regarder les images qui vont suivre. Il s'agit bien entendu d'une simulation par ordinateur. L'impact de Némésis sur la Terre aura un effet équivalent à celui de 30 bombes nucléaires et détruira toutes les villes dans un rayon de 1500 km. La formidable secousse sismique initiale sera suivie par la projection dans l'atmosphère d'une couche de terre et de pierre vaporisée. Cette couche s'obscurcira en refroidissant et s'étendra pour couvrir finalement toute la planète. Ceux qui auront survécu à l'impact seront tués par les pluies qui seront composées d'un mélange de particules incandescentes et d'acide nitrique. Elles détruiront tout ce qui vit à la surface du globe. Plus rien ne subsistera à part quelques virus inconnus particulièrement résistants. Je sais bien évidemment que tous les astronomes vont vous déclarer que Némésis va manquer la Terre, mais ils auront tous tort. Étant le seul à y croire, je vais lancer 2 missiles qui détruiront l'astéroïde avant qu'il ne détruise la Terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une histoire incroyable. Ils disent tous que l'astéroïde manquera la Terre d'environ 700 000 km. Sorensen affirme le contraire. Et ce qui lui sert de base pour dire ça, c'est une espèce de prophétie faite par une tribu d'aborigènes d'Australie. Vous rigolez? J'aimerais bien. C'est un dingue. Vous la croyez mêlée à tout ceci? Je n'en sais rien, je crois qu'elle dit la vérité. Alors ils vont vouloir qu'elle appelle son père d'urgence. Et si elle ne réussit pas à le dissuader, ils vont bombarder le silo. Et elle va mourir. Et je vais lui dire, papa, je t'en prie, abandonne, sinon ils vont te bombarder. Mon père n'a jamais fonctionné à l'émotion, et il se moquera de connaître mon opinion. Et si je lui affirme qu'il a tort, il dira, donne-moi une raison de penser que j'ai tort, et je n'en ai pas. Vous ne pensez pas qu'il a tort? Je sais ce qu'il faut faire. Placez-moi devant un télescope et laissez-moi étudier tout ça moi-même. Je veux savoir à quoi nous avons affaire. Ensuite,
Ensuite, j'essaierai de lui parler. Lieutenant, est-ce que ça va aller? Répondez. Restez tranquille, ça va, vous n'avez rien à craindre. Que s'est-il passé? La base a été prise. Prise par qui? On n'en sait rien. On n'a encore vu personne, on s'est tous réveillés enfermés ici. Le Major Cooper nous a trahis. Quoi? Cooper? J'y crois pas. Je l'ai vu avant de perdre connaissance. À qui il nous a vendu? Aux Russes? Une bande de terroristes plutôt, oui. Pas Cooper. Je l'ai vu avec un masque et il se battait contre Garcia. Et il est blessé? Il a pris un coup sur la tête. Le pouls et la respiration sont réguliers. C'est plutôt bon signe. Le commandement me revient de droit. Où sont passés tous les autres? Enfermés sans doute, ou bien morts. Non, ils sont pas morts. Ils ont mis une grosse boîte de rations. Ils veulent nous garder en vie. Je me demande pourquoi. Ils ont pris les clés de lancement, et je ne vois pas en quoi on leur sera utile. Écoutez, ils vont rien lancer du tout. Et ça, c'est à nous de les en empêcher. Compris? On va sortir d'ici et se battre. Madame MacGregor. Nous allons avoir besoin du concours du télescope du satellite Hubble. Il est hors de question d'accepter ça, docteur. Mais réfléchissez un peu, c'est très sérieux. J'ai besoin du télescope pour repérer l'astéroïde. Et pour ça, il faut l'orienter différemment, c'est simple. Je donnerai les coordonnées à la NASA. Ça ne prendra que 10 minutes. La position officielle du gouvernement américain est de refuser de négocier avec des terroristes. Je n'aime pas du tout faire des menaces. Mais si je ne dispose pas de Hubble, vous allez me forcer à lancer les missiles à l'aveuglette. La mise à feu se fait avec 2 clés qu'il faut tourner simultanément. Si Sorensen dispose des clés, il réussira. Quand sa fille sera-t-elle prête à lui parler? À mon avis, dans 2 heures. Excusez-moi, mais je n'en crois pas un seul mot. Il ne gâchera pas un missile si rapidement. Je suis d'accord. Ce serait une faute de lui céder. Je suis d'accord. On ne lui donnera pas Hubble. Je peux vous poser une question? Allez-y. Voilà, votre père nous a dit que si on ne fait rien contre cet astéroïde géant, le monde est condamné, c'est bien ça? Alors voilà, il me reste encore des vacances de plusieurs semaines à prendre et j'ai prévu une réservation dans un hôtel à Maui. Ma question est la suivante. Faut-il ou pas leur envoyer mon chèque? Réfléchissez. S'il a tort, vous aurez vos vacances. S'il a raison, vous vous moquerez de votre chèque. En examinant ce qui est écrit là, on voit qu'il s'agit plus d'anthropologie que d'astronomie. Mon père dit que les deux sont liés. Je sais que vous êtes une scientifique de haut niveau, mais... pourquoi est-ce que vous êtes prête à risquer toute votre carrière là-dessus? Écoutez, je commençais à replâtrer les débris de ma vie qui avaient éclaté à la suite de cette débâcle. Et j'avais quitté ce domaine. Et puis tout à coup, vous m'y ramenez et je n'aime pas ça. James? Oui, un petit moment. Agent Chase, FBI, nous nous sommes parlé au téléphone. Vous vous souvenez? Je ne m'attendais pas à vous voir si vite. Je pense que vous connaissez Catherine Sorensen. Oui. Oui. Tout le monde connaît tout le monde, alors c'est parfait, car nous n'avons qu'une nuit devant nous. Vous savez que le gouvernement nous a déjà fait examiner ses recherches il y a 6 mois. Oui, et bien nous voulons que ça soit réexaminé à nouveau. Il y a eu des précisions concernant la date, ou bien avons-nous commis des erreurs dans nos recherches? Carlton, on peut commencer tout de suite. Bien. Raté. Cette fois, ça se complique. C'est trop difficile pour moi. Je vois bien où est le problème, mais je n'arrive pas à le résoudre.
Une dérivation ne pourrait pas y être substituée? Pas si on veut armer les missiles. Hé, docteur. Oui? Ils ont de grosses difficultés avec les dégâts créés à la console. Ils ne savent plus quoi faire. Mais nous avons une autre option. Et je pensais au lieutenant Lloyd Gibson, un très brillant technicien. C'est un magicien avec ses consoles. Je pense que s'il le veut, il peut la réparer. Jensen, combien de temps encore avant que le missile numéro 1 soit prêt? 10 minutes. Non pour Gibson, on verra ça plus tard. Pour l'instant, nous arriverons à agir sans lui. Très bien. Je m'étonne de ne rien voir sur mon écran. Vous tardez beaucoup à me donner le télescope. Et si vous relâchiez plusieurs otages avant, ce serait un geste de confiance. Vous demandez un geste de ma part? Mais avec qui croyez-vous traiter? Avec un groupe de terroristes fanatiques? Je suis un homme très sérieux. J'ai dit ce que vous devriez faire, et je vous laisse encore une minute, vous entendez? Reliez-moi avec lui, tout de suite. Ils ne le feront pas. Préparez le lancement. Alors, donnez-moi une opinion. Est-ce que vous pensez qu'il va envoyer un missile? Il ne gâchera pas un missile rien que pour Hubble. Si c'était un soldat, j'hésiterais peut-être, mais je ne crois pas qu'il le lance. Il bluffe, c'est clair. 3, 2, 1, feu! Missile envoyé. Colonel H, j'écoute. Quoi? C'était l'armée de l'air. Un missile a été lancé. Donnez-lui ce qu'il demande. Vite! Il a passé les 8000 pieds. Il approche de la limite d'intervention? Oui, et vite. Il est à 10 000 pieds. Ils vont refuser de nous écouter. Peut-être qu'ils ne peuvent pas. Il y a peut-être un problème. ~9600 pieds. Ah, attendez, ça bouge. Ça y est, on l'a. Le missile est détruit. Regardez, mes amis, c'est Némésis. Un peu à l'ouest. Oui, c'est ça. Un peu plus au nord. Je te préviens, Catherine, je vérifierai tes calculs jusqu'au plus petit détail. Fais ce que tu as à faire. Ça m'ennuie que tu sois toujours fâché avec moi, Carlton, mais il faut mettre ça de côté. Nous avons du travail devant nous ce soir et c'est très important. Et comment espérais-tu me voir réagir? Tu nous as plaqués. Tu as tout plaqué, aussi bien moi que notre programme. Tu as démissionné et tu nous as laissé tout sur les bras. C'était pas facile de travailler avec ton père. Et tout à coup, lui aussi, il a disparu. Et te voilà qui revient ici au bout de 4 ans, sans avoir passé le moindre coup de téléphone, sans avoir répondu à la moindre lettre, et tu voudrais que je te dise « Oh, mais bonsoir, profite donc de notre télescope ». Excusez-moi, si on revenait à notre affaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps... Je voudrais attirer votre attention sur 3 points, monsieur l'ambassadeur.
1, nous avons nous-mêmes fait avorter le lancement en détruisant le missile. 2, il n'était pas armé. Et 3, il n'était pas dirigé vers votre pays. Les États-Unis regrettent profondément cet incident et je ferai personnellement tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne se reproduise plus. Oui, je le sais. Oui, oui, croyez-le, je comprends tout ça. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et voilà, je pense que nous avons réussi à vendre l'excuse d'une erreur d'ordinateur. Ça ne marchera pas deux fois. Je peux vous indiquer que la cible prioritaire que viserait une attaque aérienne du silo serait la salle de contrôle qui se trouve ici. Nous avons à notre disposition des missiles nucléaires d'une moins grande puissance, mais ils peuvent être envoyés selon des angles d'attaque très variés et avec une précision remarquable. De tels missiles peuvent pénétrer dans la cage d'ascenseur, exploser par ici et l'onde de choc détruira cette salle. Et le problème est résolu. Si je comprends bien, vous me proposez d'utiliser des armes atomiques sur notre propre sol contre l'une de nos installations militaires ultra-secrètes. Oui, madame, cette arme est la seule qui puisse être employée. Et ces fameuses bombes envoyées sur Bagdad ne pouvaient pas suffire ? C'est différent. Dans ce cas précis, madame, ces bombes ne serviraient à rien. Et vous pensez à nos hommes bloqués dans le silo ? Les terroristes seront totalement anéantis, ça je vous le garantis. Je vous parlais de nos soldats fidèles. Que se passerait-il pour eux ? Totalement anéantis, eux aussi, madame. Ça ne nous réjouit pas plus que vous. Mais il faut hélas les comparer aux pertes probables qu'entraîneront un conflit nucléaire. Sorensen dit qu'il enverra ses missiles en direction de l'astéroïde, si c'est bien là sa cible. Et c'est ce qu'il nous fait croire. Mais si en réalité il voulait atteindre Moscou, Pékin ou une autre ville importante, nous pensons que les Russes lanceront alors une contre-attaque. Ça nous obligera à intervenir massivement à une grande échelle. Dites-moi ce que cette mini-explosion nucléaire que vous envisagez va provoquer comme dégâts à l'environnement, colonel. Sûrement pas de gros dégâts, madame. Les têtes nucléaires de ces engins n'exploseront qu'à l'intérieur du silo. Et si elles le manquent ? Pardon ? Oui, on peut aussi imaginer que les missiles manquent la cage d'ascenseur. Ça provoquerait une situation très sérieuse. Et ça provoquerait des destructions dans un rayon de combien ? Dans un rayon d'environ 500 km. Donc, si ça devait mal se finir, nous éliminerions de la carte Denver et quelques skieurs dans la montagne, c'est ce que vous nous dites ? Nous partageons tous votre méfiance, madame, croyez-le. Toutefois, tous les officiers ici présents approuvent l'intervention envisagée par le colonel H. Alors, alertez votre force de frappe, général, mais il n'est pas question de donner l'ordre d'attaquer sans avoir envisagé toutes les autres possibilités. Hé, d'où vous sortez ? Qui êtes-vous ? S'il vous plaît, ne m'obligez pas à utiliser mon arme. Reculez. Vous nous dites qui vous êtes et ce que vous voulez ? Non, désolé, pas pour l'instant. Mais je peux vous dire une chose. Quelle que soit l'idée que vous ayez, elle est fausse. Je vous le garantis. Lequel d'entre vous est Gibson ? C'est moi. Suivez-nous. Pourquoi ? Dépêchez-vous. Bonsoir, lieutenant Gibson. Merci. Et je vous en prie, asseyez-vous. Non, ça ira, merci. Le silo tout entier a été secoué quand le missile a été lancé. Et je suppose que vous vous demandez quelle partie du monde j'ai détruit. Alors, je voulais vous faire constater que le monde n'avait pas changé et qu'il allait bien. Et c'est parti ! Le coup d'envoi est donné. Le ballon est impeccablement attrapé par Jackson qui essaie de remonter le terrain. Pourquoi l'avez-vous lancé ? C'était une façon d'attirer l'attention des autorités. Le missile n'était pas armé, nous l'avons détruit au-dessus du désert, mais le plus important, c'est qu'il reste deux missiles que nous allons aussi lancer. Seulement, ils seront armés, et ils auront une cible à atteindre. Et qu'est-ce que vous voulez ? La console de lancement a été sérieusement endommagée et a besoin de réparation, et vous êtes un véritable magicien dans ce domaine, à ce qu'on m'a appris. Ou je répare la console, ou vous me tuez, c'est ça ? Non, lieutenant. Vous réparez la console et ensuite,
Nous détruisons ensemble ceci. L'image est claire à présent. Voilà Némésis. Vous voyez ses dimensions sur l'écran? Il se déplace à 70 000 km à l'heure. Il est composé de minerais de fer et d'autres métaux. Il est très compact, très solide, terriblement dense. Vous avez votre réponse? Oui, j'ai ma réponse. Némésis manquera la Terre de plus de 700 000 km. Ce qui correspond au calcul que nous avons fait plus tôt. Son orbite n'a pas varié du moindre centimètre. Non, elle n'a pas changé. Alors, rassuré? Non. Vous avez prouvé que Némésis n'allait pas heurter la Terre. C'est très bien, ça. Mais il reste votre père. Après ce qu'on vient de faire, mon père n'a plus aucune chance. Oh oui, je vais essayer de lui parler, évidemment. S'il refuse d'écouter ce qu'il fera, l'armée bombardera la base. Ça m'ennuie d'insister, mais il faut aller l'appeler. Regardez, vous voyez? C'est la comète de Bernard. Pour les augures, il y a bien longtemps, les comètes étaient annonciatrices de terribles événements. Vous avez votre père en ligne. Allô, papa? J'apprécie la surprise. Je croyais pourtant qu'on était sur la liste rouge. Papa? J'ai recalculé l'orbite exacte que suivra Némésis. L'astéroïde manquera la Terre de 700 000 km. Oui, je connais parfaitement ces calculs. Il se passera quelque chose qui les faussera, Catherine. Mais quoi? Tu as des preuves? Je n'ai rien à prouver. Je fais confiance au Pentin Jarrass. La prophétie s'avérera exacte. Elle a été fausse la dernière fois et elle le sera encore cette fois. Papa, il faut que ce soit clair. Ils t'empêcheront de lancer ces missiles parce que ça déclencherait une guerre nucléaire. Alors ils vont vous tuer, toi et tes amis. Est-ce que tu comprends ça? Oui, bien sûr que je comprends ça. Le démon du ciel va frapper la Terre, Catherine. Non, c'est faux! Il ne va rien se passer. Sauf que bientôt tu seras tué, ainsi que tous ceux qui sont avec toi. Dans ce cas, j'espère que tu nous sauveras. Étudie mon bouquin. Et explique à ceux qui t'entourent que s'ils me tuent, ils condamnent la Terre à mort. Au revoir, Catherine. Non! Papa! Papa, ils vont te tuer! Un astéroïde? Oh, c'est un dingue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut mon aide pour réparer la console de lancement. C'est n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il nous tuerait en cas de refus? Il a dit qu'on mourrait dans 24 heures de toute manière. C'est pas vrai, tout ça. Il est complètement marteau. Gibson, on n'a pas vraiment le choix. Tu veux l'aider? Au moins, faire semblant. Tu penses que tu pourras? Ouais. Ralentis.
Du calme. Alors, Cooper, tu t'amuses? J'espère que ça vaut le coup. Pour qui tu fais ça, Cooper? Pour vous, lieutenant. Et vous n'en savez rien. Vraiment rien, non. On se retrouvera, Cooper. Ça, je te le promets. Alors, Gibson, vous êtes expert en réparation? Non. C'est en lancement que je suis un expert. Vous pensez disposer des compétences nécessaires pour réparer? Sûrement plus que vous. Bravo. Je resterai à côté de vous pour vous surveiller, à tout hasard. Écoutez-moi, il faut que je sache, qu'est-ce que votre père a essayé de prouver dans son ouvrage? Comment des aborigènes australiens l'ont-ils conduit à s'emparer de missiles nucléaires? Les Pentijara, ces anciens aborigènes que mon père a découverts là-bas et qui n'existent plus, hélas. Les Pentijara, donc, avaient développé de façon étonnante les pouvoirs que le cerveau a en lui. Et un jour, mon père a découvert cette gigantesque caverne avec sur les parois d'admirables peintures. En étudiant les peintures, il a vu qu'elles étaient faites par un seul et unique artiste. L'homme était habité par ce qu'ils appelaient l'esprit des rêves, un esprit puissant. Si puissant que l'auteur des dessins réussissait à voir le futur. En tout cas, mon père le croit. Mais qu'est-ce qui a pu le conduire à cette certitude? Eh bien, d'après lui, il y avait comme une échelle du temps sur les parois. Et quand il a essayé de faire correspondre cette échelle avec les peintures, il a découvert que des événements tels que la destruction de Pompéi, la peste noire, la construction de la muraille de Chine et même la comète de Halley, tout ceci était prévu. L'échelle du temps et les peintures s'accordaient de manière parfaite. On imagine mal l'importance apportée dans le monde entier à cette découverte. Tous les savants en anthropologie l'ont remercié. Et comment il s'est rendu compte qu'il y avait une histoire d'astéroïdes? Il y avait des douzaines de peintures. Et quand il a suivi l'échelle du temps pour arriver logiquement à l'époque actuelle, il l'a vu. Le démon du ciel heurtant la terre et la détruisant. Alors, il a d'abord cru que c'était Clarion, le démon du ciel, et cette fois, il pense que c'est Némésis. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez suivi votre père dans cette histoire. Je crois que c'est parce que je faisais entièrement confiance à mon père. Plus confiance que je pourrais le faire à la science. Ou à autre chose. Faites vite. Mais entendu. Vous êtes Catherine Sorensen, je suis Eileen MacGregor. Enchantée. Je vous admire et je rêvais de vous parler, mais évidemment j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Moi aussi. Excusez-nous. Venez. Je n'ai pas réussi à convaincre mon père et j'en suis désolée. Dieu sait pourtant que j'ai essayé, mais il est ce qu'il est. Mademoiselle Sorensen, je pourrais avoir donné l'ordre de détruire le silo. Le problème est que je pense que nos généraux ont raison en prétendant que si votre père lance ses deux missiles, les Russes vont répliquer. Catherine, il est de la plus haute urgence que vous trouviez un moyen de convaincre votre père de tout abandonner. Oui, comment? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous croyez que je dois le rejoindre? Je ne sais pas du tout quoi vous dire. Mais d'après moi, la réponse est quelque part dans son livre. Vous l'avez déjà examiné de près. Mais il faut tout relire. Peut-être bien qu'un petit détail a pu vous échapper. On va vous trouver un bureau vide. Mais surtout, faites vite. Où ça en est? Ouais, ça avance. Dites-moi une chose, Freck. Qu'est-ce que vous fabriquez dans tout ça? Vous êtes militaire depuis combien de temps? Ça va faire 15 ans. Nous sommes presque tous des militaires. À part nos petits amis écologistes du genre Tricia. Qui défend la terre et la nature et ces pauvres baleines? C'est moi. Et vous ne mangez jamais de viande, je suppose? Non, jamais. Allez-y, essayez. Vous ne comprenez pas bien.
Ne croyez pas que je ne sois pas un bon patriote. Moi, je l'adore, ce pays. Je veux seulement l'aider à survivre. C'est ça, votre défense? Cette histoire d'astéroïde, ça ne tiendra pas devant la cour martiale. Non, mais je suis persuadé que personne ne sera jugé si on pulvérise cet astéroïde à temps. Ça fonctionne? Frick, c'est moi. Les choses ont l'air de s'arranger ici. C'est pas notre cas. Demande au Major Cooper de venir voir. Le second missile n'est pas opérationnel. Je suggère de le remplacer par un autre. Mais nous n'aurons jamais le temps. On a absolument besoin de deux missiles. C'est vraiment le minimum. J'avais pourtant été clair là-dessus. Étant donné la situation, nous aurons déjà beaucoup de chance s'il y en a un qui part. Écoutez, j'ai beaucoup de préoccupations ici. Il faut que je travaille sur la taille, la masse et la composition de cet astéroïde. Oui, je le sais, mais je vous répète qu'il ne faut pas espérer avoir deux missiles. Un missile va laisser des fragments de la taille d'un gratte-ciel qui vont tomber du ciel. Des millions de personnes seront tuées. Et si j'ai travaillé sur ce plan une bonne partie des 5 années passées, c'est justement dans l'intention d'éviter d'avoir un seul mort à déplorer. Oui, je comprends. Qu'est-ce que ces dessins peuvent bien dire? S'il voyait dans le futur, qu'est-ce qu'il a bien pu voir pour notre époque? C'est forcément là-dedans. Chet! Qu'avez-vous à nous révéler? J'ai étudié de près l'ouvrage de mon père, comme vous me l'aviez demandé. Ceci est la copie de la page qui semble capitale. C'est en examinant ce dessin trouvé chez les Pentinjara en Australie que mon père a cru que Clarion, et aujourd'hui Némésis, devait heurter la Terre. Cette chose, avec ces dessins concentriques là, c'est la Terre. Merci. Celle-ci, plus petite, qui est ici, est ce qu'ils ont appelé le démon du ciel. Ces taches ici et là, placées tout autour, montrent la Terre brisée en morceaux. Mais l'important, c'est cette échelle du temps qui a été dessinée juste en dessous et qui permet de tout dater. D'après d'autres événements dessinés dans toute la caverne, mon père a placé les peintures d'autres catastrophes comme l'Holocauste, la peste au Moyen-Âge, la famine en Chine, la chute d'un météore géant en Sibérie à la date à laquelle ces événements s'étaient produits. Le démon du ciel, détruisant la Terre, correspond dans l'échelle du temps avec la fin du XXe siècle. C'est le dernier dessin dans la caverne et mon père pense que celui qui en est l'auteur a vu la fin du monde à cette date. Tous les calculs récents, et d'ailleurs les miens aussi, disent que Némésis manquera la Terre. Écoutez, la suite va sans doute vous déplaire, mais je dois la dire. Madame MacGregor, tous les calculs effectués au sujet de Némésis n'y pourront rien changer. Mon père a raison. Vous entendez ça? Tout en haut du dessin, vous distinguez une ligne incurvée. Cette ligne est l'orbite de la comète de Bernard. Et regardez, elle se sépare en deux. Une partie poursuit sa course par là, et l'autre partie se dirige vers la trajectoire de l'astéroïde. Qu'est-ce que vous nous racontez là? La comète va se séparer bientôt en deux parties. Il y a une chance sur des milliards, c'est ridicule. Oui, c'est vrai, c'est ridicule. Mais au fond, l'important dans tout ceci, c'est que ça se passera réellement. Et quand ça se produira, une partie ira ricocher sur le côté de l'astéroïde. Elle le détournera de son orbite et l'enverra vers la Terre. Nous connaissons ce qui nous menace tous.
Et c'est pour cette raison que vous devez soit laisser mon père envoyer des missiles contre Nemesis, soit le faire vous-même. Taisez-vous. Silence, je vous en prie. On est en plein délire. Mademoiselle Sorenson, vous deviez m'apporter des arguments qui convaincraient votre père qu'il avait tort. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas question une seconde de mettre le monde au bord d'un conflit nucléaire en gobant ce tissu d'insanité. Quant à vous, ne laissez pas cette femme s'approcher des médias. Vous avez compris? Vous pouvez vous retirer. Ah. Non, mais pas. Non, parce que vous êtes dérangé. C'est bien. Maintenant, on est tous fixés au moins. Je suis folle, je suis la tare de toute ma famille. Quel crétin! Non, mais ça n'arrangera rien de vous énerver. Avoue qu'ils ont été durs avec elle. Ouais, toi, tu ferais bien de faire attention. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, dis donc, j'ai vu ta façon de la regarder. Tu le faisais déjà dans l'hélicoptère. Alors je te dis, fais attention à toi. Et comment tu peux dire une chose pareille? Non, mais c'est ridicule. Ah ouais? J'ai une petite information pour toi. Tu sais Carlton qui travaille à Spacecan. Elle était pratiquement fiancée avec lui. Après Clarion, elle l'a abandonné comme s'il était contagieux. Et quel est le rapport avec moi? Ah, je pense que ces temps-ci, ben, t'as pas beaucoup d'énergie pour te défendre. Hein? Tu es très vulnérable. Mais avant tout, il faut réussir notre mission. Alors là, je te comprends pas. Là, tu me connais très bien, je ferai tout pour la remplir. Tu es vraiment injuste. Je vais rendre ça aussi simple que possible. Ouais. Alors regardez, ça, c'est Nemesis. Et Nemesis va passer relativement près de nous, vous suivez? Mais attention, là apparaît la comète. Et normalement, sa trajectoire ne croisera pas celle de Nemesis, seulement il va se passer un imprévu. La comète va se séparer. Vous avez vu? Je sais que ça paraît insensé, mais ça va arriver réellement. Mmh. Je meurs de faim. Si vous avez besoin de moi, vous gênez pas, je serai au restaurant. Je ne crois pas que vous soyez folle. Alors, je voudrais un double chocolat chaud, bien crémeux, avec des beignets. Non, attendez une minute. Ça, c'est ce que je voudrais. Mais je vais avaler un thé nature. Alors, vous acceptez de m'aider? Ah, mais ça dépend. Qu'est-ce que je dois faire? M'emmener à Porto Rico. À Porto Rico? Mais qu'est-ce qu'il y a à Porto Rico? Le meilleur radiotélescope du monde. Bainbridge y effectue ses recherches. Qui? Ned Bainbridge. Après mon père, c'est le meilleur astronome actuel. De toute façon, il faudra faire de nouveaux calculs quand la comète heurtera Nemesis et Ned est un homme que le Patagone pourrait croire. Non, non, il est hors de question d'aller à Porto Rico. Pourquoi ça? C'est à 3h40 de vol. Mais qu'est-ce que je vais... Écoutez, quelque chose en vous vous dit que j'ai raison. Pourquoi refusez-vous de l'écouter? Je n'ai pas dit que vous aviez raison. J'ai dit que vous n'étiez pas folle. Si je faisais ce que vous demandez, je commettrais une faute grave. Et ma carrière s'arrêterait là. Bon, écoutez, imaginez-vous tirant une balle sur une citrouille énorme, à 2 ou 3 mètres, avec un fusil de gros calibre. Vous l'imaginez? C'est le sort promis à la Terre si Némésis la heurte à des milliers de kilomètres par minute. Et là, je pense qu'il est inutile de le préciser, mais votre carrière sera très compromise. Chase, vous êtes notre dernier espoir. Oui, ici Paul Chase, chambre 29. Je veux ma voiture en bas dès que possible.
Merci, monsieur. Chase! J'ai besoin de cette voiture. Et j'ai le droit de faire ça. Quelle compagnie desserve Porto Rico? Je vais m'en occuper, j'y suis allée souvent. Passez-moi votre téléphone. On a de la compagnie. Tenez. Oui, Dylan? Mais enfin, où est-ce que vous allez? Écoute, je ne sais pas si elle a raison ou non, mais je n'ai pas envie de courir le risque. Tu oublies ta mission? Je te rappelle, Chase, que tu dois surveiller cette personne, surtout pas l'aider. Je l'aide parce que je la crois. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu as deux petits points rouges derrière le cou ou quoi? Je crois à ce qu'elle prétend et c'est tout. C'est un grave manquement à ton devoir. Ne fais pas ça. Au revoir, Dylan. Oh! Attention, accrochez-vous. L'assommer? Avec une arme, elle est géniale, mais je suis meilleur avec un volant. Téléphonez vite à l'aéroport. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous et votre père avez affronté le monde pour lui parler de Clarion? Vous vous dressez debout au bord du toit d'un immeuble. Une personne que vous estimez vous dit que vous ne tomberez pas si vous avancez. Vous pensez que c'est absolument impossible. Mais vous lui faites tellement confiance que vous avancez. Et vous tombez. Et vous croyez que vous allez tomber, vous aussi? Quand vous avez expliqué ce qui allait se passer, ça me semblait très raisonnable. Mais plus j'y repense, à froid et à la lumière du jour... Chase, être agent du FBI est important à vos yeux. Oui, terriblement. C'est tout ce que j'avais espéré. C'est tout ce que j'aime. Croyez-moi, quand ils m'ont accepté, j'ai vraiment été un homme comblé. Je n'avais jamais été aussi fier et j'ai juré de faire toujours de mon mieux parce que je ne voulais pas qu'ils croient avoir commis une erreur. Et ça, ma femme ne l'a pas compris. C'est vrai que je n'avais plus assez de temps à lui consacrer. Mais je n'ai jamais pensé à démissionner. Et chose incroyable, je me retrouve prêt à tout perdre parce qu'un peintre, il y a des milliers d'années de ça, a dessiné dans une caverne. Vous ne pouvez pas m'expliquer.
Il m'est arrivé exactement la même histoire et je n'ai encore rien compris, mais c'est un peu différent aujourd'hui. Nous sommes trois. Mon père et nous deux à croire à tout ça. À y croire suffisamment pour agir. Si c'est faux, tout le monde va se moquer de nous. Mais si c'est vrai, nous aurons fait de notre mieux. Nous n'avons pas d'autre choix. Il ne faut pas toujours écouter la logique, la raison et la science, Chase. Dans certains cas, il faut écouter son cœur. On va bientôt arriver. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas avec moi. Je peux me débrouiller toute seule. Non. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Je comprends. Vous êtes un type bien. J'apprécie qu'on vous ait désigné pour veiller sur moi. Quel cadeau. Oui. Je n'ai plus d'accréditation officielle pour entrer. Ne vous inquiétez pas. FBI. Merci. Ça marche toujours, ce truc-là. Docteur Benbridge. Catherine Sorensen? Ah, ça, c'est une bonne surprise. Comment ça va? Ned, j'ai besoin de votre aide. Il faut que j'utilise le télescope. Oh, Ned, je vous présente l'agent spécial Chase, du FBI. C'est un problème de sécurité nationale. C'est vraiment très urgent. Mon père a recommencé. Oh non, et vous avez encore approuvé sa déclaration? Je ne fais plus d'astronomie depuis déjà 4 ans. Cette fois, il est seul. Et il pense que l'astéroïde Némésis va heurter la Terre dans 5 heures à peine. Il s'est emparé d'un silo dans le Colorado. Il veut faire exploser l'astéroïde en envoyant un missile nucléaire. Mais Némésis ne devrait pas approcher à moins de 700 000 kilomètres. Je connais le résultat des calculs, mais... Non, c'est très clair. Le Pentagone ne laissera pas envoyer de missiles parce que les Russes croiraient à une attaque et ça pourrait déclencher une guerre. Ils vont détruire le silo avec son père à l'intérieur. Et ils tueront un tas de soldats innocents en faisant ça. Si j'avais de nouveaux chiffres sur Némésis d'après ce télescope avec une confirmation de votre part, je pourrais peut-être le convaincre qu'il a tort. Et sauver toutes ses vies. Oui, bien sûr. Je comprends. On va tout de suite envoyer les coordonnées de l'astéroïde. Jusqu'ici, c'est bon. Tu l'as réparé? Ils vont avoir du mal à lancer quoi que ce soit sans ça. On a trouvé l'astéroïde. Où ça? Pourquoi on ne voit rien? Il est là. Le radiotélescope ne peut pas recréer d'excellentes images. On a enregistré celles envoyées par Space Scan en début de soirée hier. Je vais vous les montrer dans un moment. Ensuite, j'irai mettre ces chiffres dans l'ordinateur. Ah, le voilà. Il est impressionnant. Alors, votre père pense qu'il va heurter la Terre? J'ai toujours apprécié votre père, Catherine. Il est brillant, mais il est un peu fou. On va devoir lui prouver qu'il a tort, c'est bien ça? Tenez, voilà de quoi manger. Comment ça va, Major? Ça va. Laissez-le. Vous savez, on est tous désolés. On ne voulait pas te blesser. Est-ce que vous allez nous foutre la paix?
Allons-y. Pourquoi ne calculez-vous pas la trajectoire de l'astéroïde? Parce que j'attends. Mais quoi? Qu'il se produise le pire. Je voudrais comprendre. La comète va se séparer en deux. Vous voulez vous expliquer? La comète doit bientôt se séparer et l'un des fragments ira heurter l'astéroïde. Et quand? Quand va-t-il se séparer? Normalement dans 12 minutes. Attention. Et non. Doucement. Non. Non, je descends. C'est trop étroit là-haut. Je passerai pas. Vous devriez me laisser essayer. Martinez, vous êtes volontaire? Très bien, allez-y. Oui, je devrais passer. Entendu. Gibson, tu pourrais lui donner des précisions sur la voie à suivre? D'abord, vous rampez jusqu'à l'ascenseur, et là, vous allez à droite pendant 8 mètres. Là, après, vous pouvez descendre. Martinez, surtout pas d'héroïsme. Si vous arrivez jusqu'aux armes, ne faites surtout rien vous-même. Vous venez vite nous délivrer, c'est entendu? Oui, oui. Allez, on y va. Attention. 1, 2, 3. Ça veut dire que nous avons deux comètes? Je ne pensais pas ça possible. Mais comment saviez-vous ça? J'aimerais bien le savoir. Ce serait trop long de vous l'expliquer. C'est fantastique! C'est incroyable! Ça veut dire que l'astéroïde a changé de trajectoire. La collision lui a fait quitter son orbite. Je sais, je précise la nouvelle trajectoire. Et ça va durer longtemps? Plus tard, j'ai besoin de silence. On ne bouge plus. Sinon, je me ferai un plaisir de vous tuer. Tout major que vous soyez. Écoutez, Martinez, ce n'est pas ce que vous croyez, je vous assure. Alors laissez-moi vous expliquer. La ferme. Avancez. Entrez. Cooper. Bien joué, Martinez. La pêche miraculeuse n'existe pas que dans la Bible. Tu avais besoin d'argent? Combien est-on promis pour faire ça? Aucun de nous ne sera payé. Gibson, vas-y, explique. Tu l'as vu, toi? L'astéroïde sur cet écran, tu as vu les images données par le télescope tout à l'heure? Oui, je l'ai vu. Mais il ne menace pas du tout la Terre. Très bien, d'accord. Tuez-moi, mais vous verrez très vite que vous avez tous tort. Non, si quelqu'un a tort, c'est toi! Tenez, voilà ce qu'on a. Cette fois, c'est clair. Ouais, j'ai terminé. Némésis s'écrasera sur la Terre, un peu à l'ouest du golfe du Mexique, dans 32 minutes.
Je peux vous l'assurer, monsieur l'ambassadeur, nous contrôlons la situation. Vous prétendez qu'un savant fou veut détruire un astéroïde. Qui nous dit que les missiles ne viseront pas notre sol? Les occupants du silo n'ont pas du tout l'intention de viser la Russie. Oui, mais je me répète, la situation n'a pas changé. Nous voulons bien croire que vous contrôlez la situation, mais mon gouvernement est obligé de vous informer que si un missile est lancé, nous riposterons dans les secondes suivantes. Si j'étais à votre place, je dirais la même chose. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Au revoir. C'est urgent, madame. Quels sont vos ordres? Lancez l'attaque, général. Confirmons les coordonnées de l'objectif. Je répète, nous vous confirmons les coordonnées de l'objectif. Bien reçu, nous nous dirigeons vers l'objectif. J'ai trouvé Cooper et Harris, ils ont perdu connaissance. Essayez de les ranimer. On va avoir besoin de tout le monde ici. Jensen. Jensen. Bien sûr, monsieur, on est sur le coup. Les prisonniers se sont échappés. Ils se dirigent peut-être vers vous. Cooper, Cooper, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont des armes. Les prisonniers sont armés, je répète, les prisonniers sont armés. Si tu permets, Garcia, on formera deux groupes. Thompson, Collins et Martinez, vous irez vers les missiles. Et nous, vers la salle de contrôle. Est-ce que c'est compris? Oui, lieutenant. Oui, allez, et on traîne pas. Ils vont nous créer quelques complications avant le lancement, mais on va vite régler ça. Il vous faut combien de temps encore? Oh, pas beaucoup, 5 ou 6 minutes. Fox, Harris, laissez-les partir s'ils veulent filer, on s'en fout. Établissez un périmètre de défense autour de la salle de contrôle. À la minute où on aura les codes, on lancera les missiles. Vous pensez pouvoir les retenir? On va essayer. Ici, Perdier 1. Nous arriverons sur l'objectif dans 5 minutes. Enfonce, enfonce. Allô, ici Chase. Passez-moi vite, Menzer. Menzer. Ici Chase. Chase, mais où êtes-vous? Vous avez été suspendu. On parlera de ça plus tard. J'appelle depuis Arecibo, le radiotélescope de Porto Rico. Si vous voulez le vérifier, localisez l'appel. Ce sont vos calculs, Catherine, et je veux les confirmer d'abord. Vous n'avez plus le temps pour ça. Appelez tout de suite. Nous n'avons que quelques minutes. Je veux que vous nous mettiez en liaison vidéo avec la secrétaire à la Défense, où qu'elle se trouve. Je ferai ça, dites-moi, en quel honneur? Faites-le, je vous dis. J'espère pour vous que c'est très important. Chaque minute est comptée. Vous devez appeler tout de suite, ou bien il sera trop tard. J'ai obtenu la liaison vidéo avec le Pentagone. Ils vous attendent. J'arrive. Ne leur parlez surtout pas de moi. We'll be right back.
Nous approchons de l'objectif. Allez-y, docteur. Je ne sais pas si vous connaissez l'astéroïde Némésis. Je pense tout savoir sur Némésis, docteur. Que se passe-t-il ? Il y a moins d'une heure, une collision s'est produite entre l'astéroïde et une partie de la comète de Bernard. L'astéroïde a été dévié de sa trajectoire. Ici Épervier 1. Préparez-vous à ouvrir le feu. Déverrouillez les sécurités. Nous avons calculé que sa nouvelle trajectoire le menait tout droit vers la Terre. L'impact aura lieu dans 19 minutes. Et vous en êtes tout à fait certain ? Oui, madame, c'est une certitude. À mon signal. Général Perry, faites stopper l'attaque. C'est annulé ! C'est annulé ! Je sais pas si je les retiendrai longtemps. T'as fini ? Ouais, presque. Plus que deux branchements à faire. Tiens bon, surtout. Il continue sa course vers nous. Impact dans 8 minutes. Missile prêt. Le 2 et le 3 sont réglés. Tout a l'air de bien fonctionner. J'espère que le ciel vous entendra. Arrêtez ! Éloignez-vous de cette console. Restez où vous êtes ! OPIC, sortez, sinon... Nous ne sortirons pas de cet endroit, restez là ! Le lieutenant Gibson ne tuera personne. Il sait que nous avons raison. Je vous tuerai s'il le faut. Sortez ! Lieutenant ! Laissez-moi vous inviter à regarder ceci. Ce n'est qu'une image. C'est l'image de la mort, et nous pouvons encore l'arrêter, vous et moi. Et si jamais vous vous trompez, vous allez déclencher une guerre mondiale si un seul missile est lancé. Quand cet astéroïde heurtera la Terre, aucune des personnes que vous aimez, votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, aucune de ces personnes ne pourra se cacher, elles vont toutes mourir. Et même jusqu'ici, la violence du feu aspirera l'air, et nous aussi, nous allons mourir. Ma fille aussi mourra, toutes les filles et tous les fils mourront. Rien à la surface de la Terre ne survivra. Moi, j'ai mes ordres. Oubliez-les. À l'instant qu'il est, nous sommes seuls ici. Oubliez vos ordres. Le sort de la Terre dépend de vous. Alors tournez cette clé avec moi. Au nom de toute la planète, tournez cette clé. Si vous vous êtes trompé, c'est moi qui vous tuerai. Ça ira mieux avec ça. Hmm. 30 000 kilomètres, et il approche toujours. 5 minutes avant l'impact. Si vous permettez. 3, 2, 1... Un missile vient d'être lancé. Confirmation d'un seul. Il devait en lancer deux.
lancement raté. L'autre est resté. C'est juste. Ça me pose un problème. J'ai besoin des deux. Vous n'en aurez qu'un pourtant. Missile russe détecté. Confirmation. Combien ? Un seul missile. Général Perry. Un moment, monsieur. Pour vous, c'est l'ambassadeur. Oui, monsieur l'ambassadeur. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai d'excellentes nouvelles. Ce missile ne nous est pas destiné. Oui. 60 secondes. Cinq secondes. Trente secondes. Vingt-cinq secondes. Encore vingt secondes. Regardez, il n'y a plus rien. On l'a eu. On l'a eu. Nous avons réussi. Il a réussi. Non, vous avez réussi. Réussi. Yo-ho. Calme-toi. Elle est hors catégorie. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, Chase, ouvre les yeux. Elle est belle, elle est séduisante. Et c'est en plus une scientifique réputée avec des tas de diplômes. Avec un QI de combien? 280 ou plus? J'ai aussi fait des études. Et elle m'apprécie beaucoup. Ben alors, tente ta chance. Je te connais bien. Si tu ne fais rien, tu auras des regrets pendant le reste de ta vie. À tout à l'heure. Oh, elle est presque aussi formidable que vous. J'admire beaucoup ce que vous faites. Merci. À tout à l'heure. Belle réception. Ah, oui. Qui aurait imaginé ça avant-hier? C'est vrai. Je viens juste d'avoir une conversation avec mon équipière à votre sujet. Elle dit qu'une femme comme vous m'est bien supérieure. Non, attendez, vous êtes l'une des meilleures chercheuses en astrophysique, mondialement connue, et moi, je ne suis qu'un simple petit agent. Je traite les méchants. Avec un certain succès, il faut bien le reconnaître, mais enfin... Oui, c'est en dehors du sujet. Vous savez... Vous ne m'avez encore jamais appelé par mon prénom. Vraiment? Eh bien, c'est facile. Oui, c'est Catherine. Je sais. Moi, c'est Paul. Je sais. Ça va, Paul? Ça va, Catherine. Est-ce que vous avez parlé à votre père? Non, pas encore. Mais vous devez le faire. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que vous voulez, non? Oh, ne me poussez pas, j'irai quand je serai prête. Je me permets de vous parler comme ça parce qu'on s'appelle par notre prénom. Catherine, allez tout de suite lui parler. Si vous ne le faites pas, je vous connais, vous aurez des regrets pendant le reste de votre vie.
tous ces gens me parlent comme à un héros. Il faut dire que c'est rare de passer si soudainement de dangereux paranoïaque à sauveur du monde. En tout cas, tu avais raison. Les Pentinjara avaient raison. Oui, mais tu as cru. Et toi aussi. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Comment tu n'en sais rien? Je vais peut-être continuer à enseigner dans un collège où un milliardaire va m'engager pour lui dire son avenir, je n'en sais rien. Catherine, avoir du génie, c'est être capable de mettre en évidence de façon simple des choses que personne n'avait encore trouvées. Tu as fait ça contre l'avis de tous, alors en fait c'est toi qui as sauvé le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Papa, tu le sais ce que je veux faire. Très bien, c'est d'accord. On reforme la vieille équipe à la demande générale et à la mienne.